Bonjour chers étudiants, aujourd'hui dans cette vidéo on va travailler un exercice de modélisation. Donc j'ai ici un simple exercice qu'on va travailler ensemble. D'accord. Nous on va procéder pour voir quelles sont les étapes à suivre pour bien faire la modélisation d'un programme linéaire. Donc je vais commencer par une simple lecture de cet énoncé. Donc j'ai une entreprise qui produit 100 tonnes de minerais rouge et 80 tonnes de minerai noir chaque semaine. Et cette production est utilisée pour fabriquer trois types d'alliages. Il y a des alliages doux, des alliages durs et des alliages forts. D'accord? Donc, pour produire 1 tonne d'alliage doux, il faut 5 tonnes de minerai rouge et 3 tonnes de minerai noir. Pour fabriquer, ou plutôt produire 1 tonne d'alliage dur, cela nécessite 3 tonnes de minerai rouge et 5 tonnes de minerai noir. Et pour produire 1 tonne d'alliage fort, il faut 5 tonnes de minerai rouge et 5 tonnes de minerai noir. Et le profit généré est de 250 euros pour chaque tonne d'alliage vendu, d'alliage doux vendu, et 300 euros pour chaque tonne d'alliage dur vendu, et 400 euros pour chaque tonne d'alliage fort vendu. Déterminer le programme qui permet de maximiser le profit de l'entreprise. D'accord? Donc, la question qui se pose par bien sûr le gérant ou bien les managers de cette entreprise, c'est combien d'alliages doux et d'alliages durs et d'alliages forts doit-on produire pour maximiser notre profit? D'accord? Donc, tout d'abord, je dois déterminer des inconnus. D'accord? Qu'on va essayer de bien sûr de chercher par la suite. Donc X1, ça va être la quantité d'alliage doux qu'il faut produire. X2, la quantité d'alliage dur qu'il faut produire. Et X3, c'est la quantité d'alliage fort qu'il faut produire. D'accord? Donc, pour me faciliter la tâche, je vais essayer d'écrire ce tableau, ou plutôt c'est énoncé sous forme de tableau. D'accord? Voilà comment je vais procéder. Donc l'entreprise fabrique des alliages doux, des alliages durs et forts. Et pour bien sûr les fabriquer, il a besoin bien sûr généralement de la matière première. La matière première, c'est des minerais rouges et les minerais noirs. D'accord? Donc pour, bien sûr, les alliages doux, combien, 1 tonne d'alliages doux, combien ça nécessite en minerais rouges et minerais noirs? Je prends l'information d'ici. Pour produire 1 tonne d'alliages doux, il faut 5 tonnes de minerais rouges et 3 tonnes de minerais noirs. Donc pour produire 1 tonne d'alliage doux, il faut 5 tonnes de minerai rouge et 3 tonnes de minerai noir. Je passe. Pour 1 tonne d'alliage dur, il me faut, pour produire 1 tonne d'alliage dur, cela nécessite 3 tonnes de minerai rouge et 5 tonnes de minerai noir. Je reviens ici. Donc, pour produire 1 tonne d'alliage dur, j'ai besoin de 3 tonnes de minerai rouge et 5 tonnes de minerai noir. Pour 1 tonne d'alliage fort, j'ai l'information ici, pour produire 1 tonne d'alliage fort, il faut 5 tonnes de minerai rouge et 5 tonnes de minerai noir. Et je monte ici 5 et ici 5.
Et je peux bien sûr produire la quantité que je veux, des d'alliage doux ou bien dur ou forte, mais je ne dois pas bien sûr oublier que j'ai une contrainte. J'ai une quantité limitée de mes matières premières, c'est-à-dire que les minerais rouges et les minerais noirs, j'ai les, mais ma quantité est limitée. J'ai une quantité que je ne dois pas dépasser. Donc je peux prendre la quantité que je souhaite d'alliage, mais je dois pas, bien sûr, ou bien je dois prendre en quantité que mon entreprise produit seulement 100 tonnes de minerais rouges. Pour les minerais rouges, j'ai seulement une quantité de 100 tonnes. D'accord? Et pour les minerais noirs, d'accord, j'ai seulement 80. Et bien sûr, je dois respecter, bien sûr, cette contrainte, c'est-à-dire que je ne peux pas dépasser ces quantités. D'accord? Ça représente les disponibilités que j'ai en ma production de matières premières chaque semaine. D'accord? Maintenant, passons aux bénéfices. Bien sûr, la production du d'alliage d'eau dure ou forte, ça génère bien sûr un bénéfice au niveau des ventes, n'est-ce pas? Donc, je viens ici, j'ai les informations concernées. Donc, pour un tonne d'alliage d'eau vendu, ça génère un profit de 250 euros. Et pour l'alliage dur, c'est 300 euros. Et pour l'alliage fort, c'est 400. D'accord? Donc maintenant, j'ai toutes les informations nécessaires, avec bien sûr la quantité d'alliage d'eau est représentée par X1. Ici, c'est X2. Et ici, c'est X3. D'accord? Donc, je vais commencer par la fonction objectif que je cherche à maximiser. Et qu'elle sera bien sûr sous forme de chiffre d'affaires. Et comme vous savez, le chiffre d'affaires, c'est la quantité fois le bénéfice ou bien le prix. D'accord? Donc, je fais comme ça. Donc, j'ai bien sûr trois montants. 250, et ça concerne bien sûr fois la quantité d'alliage doux, plus 300 fois la quantité d'alliage dur, plus 400 fois la quantité liée X3. Voilà, c'est une fonction objective que je cherche bien sûr à maximiser. Maintenant, passons aux contraintes. J'ai des contraintes qui concernent bien sûr les minerais rouges, une contrainte qui concerne les minerais noirs. D'accord? Donc, pour les minerais rouges, je peux produire bien sûr 5X1 plus 3X2 plus 5X3. Et toute cette quantité que je dois produire doit être inférieure ou égale à 100 tonnes. D'accord? Maintenant, je passe au minerai noir. Je peux produire 3 fois la quantité X1 plus 5X2 plus 5X3. Mais je ne dois pas dépasser, bien sûr, 80, sans oublier que X1, X2, X3, ce sont des quantités qui doivent toujours être supérieures ou égales à 0. D'accord? Donc voilà, c'est mon programme linéaire. Je cherche bien sûr à maximiser. D'accord? Donc, le travail de l'entreprise, c'est de déterminer ces quantités afin de maximiser le profit de l'entreprise. Et j'ai une question, si vous permettez, avant de mettre fin à cette vidéo. Est-ce que je peux résoudre ce programme en utilisant la méthode graphique? Donc, s'il vous plaît, la réponse est non.
Donc la simple raison, c'est que la méthode graphique est utilisée pour les programmes linéaires dont on cherche deux inconnus. Là, on a trois inconnus. Donc, on va se trouver dans l'obligation d'utiliser la méthode du simplex. Donc, j'espère que j'étais un peu utile pour vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et bon courage.